Bonjour tout le monde. Je me présente, Manuel González. Je suis Solution Architect chez AWS, spécialisé dans la partie broadcast. Mon accent vient de l'Espagne. Même si j'ai vécu 8 ans à Paris, je garde toujours cet charmant accent. Et aujourd'hui, on voulait vous parler de broadcast, de la production live dans les clouds. Vous présenter quelques case studies et après peut-être avoir un petit peu de temps pour des questions ou sinon après les sessions dans le rooftop on pourrait parler plus en détail. Qu'est-ce qu'on entend de notre client? C'est un petit peu les mêmes choses qu'on a entendu dans les sessions avant. Et c'est cette besoin de produire plus et réduire les coûts. Et des fois vous les clients vous avez plus de droits des matchs, des sports que vous arrivez à produire, tout simplement parce que les moyens de production, c'est des moyens de production de très haut niveau, et on ne peut pas les mettre en disposition pour des petites prods. Il existe des solutions, on l'a vu dans la présentation avant, et avec AWS, on est capable de s'adapter, s'adapter aux besoins, de produire plus. En utilisation de cloud et c'est aussi un enablement de la production remote. La production remote, c'est pas nouvelle, ça existe depuis des années. Avec les clouds, on la pousse un petit peu plus loin dans les clouds. Donc, j'ai parlé de trois types différents de prod, des productions très complexes, les multicaméras, les 24 caméras avec des gros camions sur site, le faire en remote, des productions un petit peu plus simples avec des graphiques, replays et autres, et des productions très très simples qui n'ont pas du tout les mêmes besoins. Donc pourquoi utiliser les mêmes outils pour ce type de prod? Pourquoi pas prendre des outils différents pour les faire? Donc on parle de flexibilité et c'est exactement ça que AWS fournit, c'est la flexibilité de pouvoir s'adapter aux besoins. Aujourd'hui, quand on voit la production live, à gauche, on va déplacer des gens. On a toute l'équipe qui gère les caméras, mais aussi l'équipe qui gère les camions avec les mélangeurs de vidéos, audio, replay, toutes les parties intercom, etc. Graphiques et aussi, dans un centre de production, on peut avoir des gens qui travaillent aussi dans la prod, avec cette prod remote, qui travaillent simultanément. Et après, on a la partie distribution, branding, à droite, au play-out. Donc, l'idée avec la production remote, l'idée avec cette PCR on demande, c'est d'envoyer les moyens techniques et les personnes qui ont vraiment besoin d'être sur place, laisser toute la partie prod et les séparer dans des différents types de contrôle de prod. On n'a pas besoin d'avoir tout le monde dans la même salle. On a cette flexibilité. On peut avoir des gens qui s'en occupent de la partie replay dans une partie. Des bâtiments ou du monde, la partie de le mélangeur de vidéo et audio dans un autre contrôle. Donc on peut avoir plusieurs centres de contrôle. Et après, on commence aussi à rajouter d'autres briques comme la partie editing et PAM qui est un petit peu plus compliquée de la faire sur site. Bah, une fois qu'on est dans les clouds, on a toutes les possibilités de CPU. La partie de machine learning et AI, bah, une fois qu'on est chez AWS, c'est très très simple de commencer à prendre cette brique et les utiliser pour rajouter de la valeur dans la prod. On voyait dans les presses précédentes des outils qui utilisent les briques AWS. Et bien évidemment, on a aussi toute la partie play-out, branded, insertion, la régionalisation qu'on peut prendre en charge aussi dans AWS. Dans les
6-8 derniers mois avec l'équipe Professional Services. On a travaillé sur des différents proof of concept, YC World Rugby et PGA Tour. Un projet en Espagne avec le Real Madrid et un match de foot produit entièrement dans le cloud, la partie unilatérale, pardon, ce n'était pas le multilatéral. On voit aussi ATP Media, on va parler d'ATP Media dans cette presse, et même les IBC avec IBC Accelerator, ils ont fait des tests avec des différents clouds, avec BT Sport, avec Sky, avec d'autres clients, et on a réalisé des matchs de la Premier League dans des clouds publics, et on a mesuré en fait l'empreinte des servants, la réduction qui est faite par une production remote et une production cloud par rapport à une production en premix. Aujourd'hui, je voudrais rentrer dans les détails de ATP Media. ATP Media, pour les Rolex Paris en novembre de l'année dernière, donc le venue est à Paris, le PCR il est à Fambra et la région AWS, elle était à Dublin, en Irlande. On avait une connexion avec Tata entre Paris et Dublin, donc toute la contribution de feed arrivait par cette réseau manager. Et après, la connexion entre les PCR à Fambra et Dublin, c'est une connexion standard, un gigabit Ethernet d'une société Gravity Media, qui était le System Integrator qui nous a accompagnés dans cette POC. On avait 12 caméras, on avait des ball tracking avec Hawkeye, on avait toutes les data de graphiques qui on utilisait, donc Delta 3 qui s'en occupait de récupérer les informations data et les mettre dans les graphiques. On a invité plusieurs ISVs, plusieurs sociétés de prod. En solution SaaS, on avait Gravio et Mavis, donc des solutions complètement managées par eux. Et après, on avait une solution multi-ISV avec Simply Life, avec Grass Valley, avec VisRT, Siena et Delta 3. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser AWS pour faire une production multilatérale, donc qui est sûrement la plus complexe dans la production live. On a couvert 4 jours de le Rolex, on faisait 8 heures par jour. On avait des opérateurs de replay, on avait aussi un réalisateur professionnel donc qui était en train de produire. J'ai dit, c'est très important, une approach multi-ISV. On voulait tester l'intégration entre différents fournisseurs et on avait invité des clients dans les bâtiments de Gravity pour regarder les résultats et voir l'opération. Ça, c'est le diagramme du système. À gauche, toute la partie contribution d'encodes R264 qui arrivait avec le réseau Tata en Fixie. AWS Elemental Media Connect, donc notre service de vidéo de contribution et de distribution B2B. On envoyait le feed à Gravio et Mavis en la partie haute. Donc, eux, ils faisaient leur production à eux. Et après, nous, dans notre VPC, Virtual Private Cloud, on avait le système ISV avec les différentes machines, replay, mélangeur d'audio, vidéo, les multi-viewers, etc. On pilotait tout ça par les opérateurs qui étaient en prémise, avec des connexions Nice DCV, qui est notre remote desktop optimisé pour les graphiques. On utilisait des technologies Simply Like Live Venue, on utilisait Grass Valley Amp Flow, on utilisait plusieurs différentes technologies pour monitorer et contrôler les applications. Et les PCR, les deux PCR, on avait deux PCR, ils étaient en prémise, avec un très bon résultat. Dedans les réseaux, dedans les VPC, les différentes machines, elles sont en NDI, donc on a pris NDI comme codec, comme solution pour interchanger entre les différentes machines. Et après une distribution en CDI, c'est notre vidéo pas compressé sur Ethernet, et des différents services élémentaires pour la distribution Media Live, Media Packets. Ça, c'était ATP Media. Maintenant, je passe la main à Lionel.
Merci. Alors, moi, je vais vous parler. Tout à l'heure, on a parlé en intro avec, avec Kevin, avec Christina, on a parlé de pas mal de choses, mais on a parlé aussi un petit peu de data. Et que la data, elle allait vraiment changer la façon dont on allait faire des médias dans le futur. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Discovery dans le cadre de l'UCI Track Champions League, donc, qui est une compétition de cyclisme sur piste, hein, comme vous pouvez voir, pour laquelle on est partenaire. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'apporter une nouvelle expérience aux différents utilisateurs, quels qu'ils soient. Donc ça veut dire les utilisateurs, enfin les fans qui sont dans le vélodrome, qui assistent physiquement à la compétition, également à tous les fans ou les amateurs en tout cas qui vont pouvoir suivre la compétition devant leur poste de télévision ou devant leur application mobile. Donc de quel constat on est parti? On est parti du constat que déjà on traite une compétition de cyclisme sur piste qui globalement a une visibilité limitée aux Jeux Olympiques. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'on n'entend pas beaucoup parler de cyclisme sur piste en dehors des Jeux Olympiques. Et ce qu'on voulait faire, c'était de démocratiser cette discipline et de permettre aux utilisateurs de comprendre la stratégie dans la course, de se trouver finalement immergé. Donc, on est parti sur collecter un maximum de données. Comment est-ce qu'on collecte ces données? On va collecter des données depuis les vélos, donc on a équipé des vélos avec des capteurs de puissance, avec des capteurs de fréquence de pédalage, parce que c'est important dans la stratégie. Les athlètes étaient équipés également avec des capteurs pour mesurer leur rythme cardiaque, et on mesurait également leur position sur la piste. Et avec toutes ces données, on a constitué donc un data lake, et ce data lake nous a permis d'en tirer des analyses et d'apporter différents cas, d'accompagner, on va dire, le broadcast. Donc là, comme vous voyez ici sur la vignette de gauche, on a des choses qui sont relativement classiques avec de la mesure de vitesse, de la mesure de performance, on va dire, des différents athlètes pour comprendre un petit peu la compétition. Et sur la partie droite, un petit peu plus immersive et qui était pour le coup un petit peu plus axée pour les personnes qui étaient sur place, avec de la réalité augmentée grâce à un système de panneaux LED qui était dispatché un petit peu partout et donc qui était comme reproduit à l'écran pour l'audience externe. Et l'idée derrière, encore une fois, c'était vraiment d'apporter un maximum de données. Et donc là, vous voyez le résultat final, mais bien entendu, ces données, elles vont servir également à apporter de la valeur pour toute la chaîne de production. Ça veut dire que les commentateurs ont accès à des données qui sont beaucoup plus détaillées. Ici, on apporte des données synthétiques faciles à regarder quand on regarde sur un écran. Évidemment, les commentateurs ont accès à des données beaucoup plus avancées, avec des dashboards sur lesquels ils vont retrouver des métriques, encore une fois, beaucoup plus avancées, qui vont leur permettre d'affiner le commentaire, de comprendre quand un athlète, par exemple, est en limite, parce qu'on sent qu'en termes de puissance, il est au max, bah, peut-être que le commentateur va pouvoir orienter un petit peu son commentaire, encore une fois, pour permettre à l'audience de comprendre la stratégie, de se sentir, une fois de plus, immergé. Donc ça, c'est le début, aujourd'hui, de ce qu'on fait sur AWS dans ce contexte de sport. On va faire beaucoup plus de choses. Donc là, on a fait la première saison l'année dernière. On a une nouvelle saison qui arrive cette année, qui aura lieu en fin d'année. Et on va pouvoir apporter de nouvelles solutions. Donc là, par exemple, je ne peux pas vous montrer les schémas, ce n'est pas encore public, mais typiquement, on va apporter du compute en local. Donc vous connaissez le cloud computing avec l'informatique dans le nuage. Là, on va refaire descendre un petit peu le nuage dans les vélodromes parce qu'on a besoin, pour des cas de latence extrêmement faibles, d'apporter des capacités de calcul en local. Et donc, on a des solutions qui s'appellent Snowballedge, en l'occurrence, qui nous permettent de faire du calcul local. Donc, on vient avec une appliance AWS et on déploie du code, des fonctions lambda, des machines EC2. Et on va pouvoir déployer notre code et exploiter notre code directement en local. Voilà, pour des nouveaux use cases. Donc, voilà, on voit un écosystème qui n'est pas limité simplement aux services médias. On va aller chercher de l'IoT, on va aller chercher du compute un peu plus traditionnel. Et tout ça fait que, avec demain de la 5G, on va pouvoir aller étendre nos capacités au-delà de salles ou d'événements en indoor comme ceci, à des grands événements où on va pouvoir aller couvrir avec de la donnée computée, processée, localement,
un maximum d'informations et donc mettre encore une fois à disposition toutes ces informations aux différents intervenants et évidemment, en fin de course, à l'audience qui va, elle, consommer le service. Raphaël, on a combien ? 5 minutes au total ? 2 minutes au total ? OK. Merci. OK. On n'a pas trop de temps. Donc, Sky, c'est un de nos clients qui ont commencé plutôt cette voyage dans les clouds, dans la partie production live, avec Grass Valley, avec Viz Vector et autres. Et je vais retenir cette slide. C'était pendant les COP 26 l'année dernière. Donc, Sky avait cette galerie avec 40 feet. Et elles ont réussi à utiliser tout simplement 5 kW par rapport aux 57 kW qu'ils auraient utilisé en prémisse, donc 90% d'économie de l'énergie nécessaire pour faire une production. On parlait des pilars de Well-Architected Framework. Le sixième pilar, c'est la sustainabilité. Donc, ça, c'est un exemple où on peut avoir la sustainabilité sur la production de live sur le cloud.